Salut, salut à tous les fans de jeux vidéo, de Battlefield et autres jeux. Ici Antech et je vais vous présenter aujourd'hui Battlefield 2, fait par Electronic Arts en juin 2005. C'est paru en France, en Z. Alors, on commence le menu par une personne qui dit bonjour, c'est poli, je vais dire, et on choisit en fait au début, on vous demande le nom et tout, et voilà. Bon, là maintenant, comme ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, donc là je vous montre. Donc on est dans le menu, il y a multijoueur, solo et quitter, paramètres, configuration et PHQ. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, le mode solo n'est pas vraiment un mode solo, on se base seulement contre des PC et il n'y a aucune histoire. Il y a donc plusieurs niveaux, facile, moyen et difficile. Et il y a plusieurs choix de cartes, comme vous pouvez le constater. Alors, on choisit une carte. Voilà les cartes. Donc, on fait rentrer dans le serveur. Ce n'est pas un serveur en fait, ils l'ont appelé comme ça, mais c'est bizarre. Donc, je sais pas si je dois vous conseiller ce jeu-là. Malgré qu'il est bien graphiquement, qu'il est sympa, les véhicules, les cartes sont grandes, c'est bien fait. Mais au niveau des armes, il y a un petit truc que je n'arrive pas à comprendre. Alors le mode multijoueur est bien et pas bien. Il est bien parce que quand on joue avec des amis et tout, c'est en multijoueur. Mais évidemment, il y a le problème des armes, mais aussi c'est un peu comme le système de Call of Duty avec des niveaux. Je ne sais pas si c'est le mien qui bug ou chez vous aussi, mais ça ne marche pas ce système. Quand j'ai fait une centaine de kills et rien. Bon là je rentre dans la partie, j'atterris, je choisis, j'ai une liste d'armes qui se propose à moi, donc je vais choisir fusil d'assaut. Voilà, et je choisis un point de ralliement parmi ceux qui me sont proposés qui sont aux Américains. Voilà, donc je vais me diriger vers ce véhicule là, vous voyez on rentre, voilà. Donc vous voyez là, graphiquement c'est sympa, là je postule pour être commandant. Vous voyez, les routes sont bien faites, on voit qu'il y a du brouillard. Hein. Enfin, c'est vraiment réaliste. Hein. Mais je crois qu'ils ont tout misé sur le graphique plutôt qu'autre chose. Bon, là je viens juste d'accepter pour être commandant. Là je vais peut-être quitter le véhicule, je suis en train de fumer. Voilà, là je shoot. Bon, c'était plutôt rapide, je pense qu'il avait déjà perdu des points de vie. Bon, t'as le tank qui passe devant moi, vu l'intelligence. Bon. Alors là, vous voyez la personne qui saute, il vient de me piquer le guide. Et ce tank m'a tué. Vous avez vu? Il m'a roulé dessus. C'est affreux. On voit tout de suite l'intelligence des personnes, des joueurs. Fait par le PC, évidemment. On choisit un point de ralliement un peu plus près. Voilà, et j'ai pris le sniper. Vous allez admirer comme le sniper est génial. Bon, là, j'ai mis satellite. Bon, satellite, ça sert à savoir où sont les ennemis sur toute la carte. Et le drone, c'est savoir en temps réel où sont les ennemis à un endroit. Et artillerie, je vous montrerai dès que le chargement sera terminé. Là, le seul endroit sur Battlefield qui s'explose. Regardez, je lance ma grenade et voilà, le seul endroit qui explose, à part les véhicules qui explosent eux aussi et nous aussi, par ailleurs. Voilà. Là donc je clique sur artillerie et je le place à un endroit où je vais là où en fait là où je l'ai mis, mais je sais plus vraiment si ça on explose avec ou non. Bah je vais regarder, mais en attendant je vais me mettre sur le toit. Voilà, et là exactement je me fais toucher par mon propre bombardement. C'est vraiment bien foutu ce système. Bon, là vous remarquerez sur le sniper que les capuchons pour viser est refermé. Regardez, je tire sur ce type et je l'ai loupé. Une deuxième fois, je l'ai encore loupé. Et là, c'est un allié qui me l'a terminé pour moi. Bon, là, je suis en train de capturer le drapeau. Donc là, j'ai vu rentrer un ennemi et il m'a tué par défibrillateur. Et oui,
ça ne sert plus à sauver des vies, le défibrillateur sur Battlefield, mais à sauver des vies, comme par exemple maintenant. Ça ne sert plus à guérir, je voulais dire. Ouais, bon, c'est pas si grave que ça, c'est quand ça m'a embrouillé. Donc là, il m'a sauvé aussi avec défibrillateur et l'ennemi. Et là, alors j'ai fait le tour pour éviter d'avoir des ennemis en face, évidemment, il y en a pas. Et je vais tenter un quickscope, digne des meilleurs Call of Duty. Bon, c'est ce qui a valu au 7, hein, le manque de personnes qui ont protesté par rapport à... Ils ont enlevé des quickscopes sur les amateurs de Call of Duty qui en ont marre de Call of Duty, allez sur Battlefield. Je sais pas, vous pouvez quickscoper. No scoper si vous avez envie, vous pouvez tout faire. À moins que... Mais les armes sont nulles. Là, je vais faire sur une map un autre quickscope admiré. Et c'est rentré, mais je ne l'ai pas shooté. Et là, vous allez admirer le gameplay le plus fort du monde. Meilleur que Diablo X9, meilleur que Volt Ever, meilleur que Tech Prod, meilleur que tout le monde. Replay. Et regardez bien attentivement. Alors je marche normalement, je me prends un coup sur le côté et je lui vide le chargeur jusqu'à ce que la batteuse soit en surchauffe, et lui, en une balle, il me tue. Vous avez regardé, il me tue. C'est vraiment abominable. C'est pas normal ça. J'ai vidé tout mon chargeur, je n'ai pas arrêté de viser. C'est pas compréhensible, c'est... Voilà, c'est ça le problème. Bon, là je suis dans le menu commandant. Alors là je vais poser de la logistique. C'est en fait pour gagner de la vie, gagner des munitions pour les alliés, je crois que les ennemis aussi. Ils peuvent avoir ça. Alors il y a aussi un moyen de zoomer sur la carte. Voilà. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant et admiré. On peut voir les alliés et les ennemis se tirer entre eux. Là je vais mettre une artillerie juste sur un ennemi, et voilà, petit délire. Bon, maintenant vous allez admirer, puisqu'il y a des véhicules, mais alors pourquoi il n'y aurait pas des sauts? Bon, là l'autre il sait pas conduire, vous avez vu aussi l'intelligence des alliés, et admirez bien. 3, 2, 1, et on saute, vous avez vu, ils se sont fait chier à mettre des planches, à faire des graphismes comme ça. 2005. Mais ils ne sont pas capables de mettre des armes qui tirent normalement. Bon.